Bonjour. Bonjour YouTube. La scène de jeu qui fonctionne pas nickel. Si, c'est bon. D'ailleurs, est-ce qu'elle fonctionne sur ma scène d'intro? Non, regardez. On est paf, off. If. Voilà, mais bienvenue. Bienvenue YouTube, hein. J'ai bien fait de démarrer maintenant. Toujours pareil. Il y a capture de jeu. Ah. Ah. Bon, c'est fait pour aller là normalement. Trop grand. Ah bon, on va pas faire ça maintenant, non? Ça, vous êtes en train de me dire. De toute façon, il faut que je la passe en dessous, cette scène. Bon là? Voilà, salut! Bonjour YouTube, on est là, on est prêt. Bam, c'est fait. Alors, j'ai fait des petits trucs hors caméra. Que je suis en train de faire actuellement dans l'actuel de l'absolu de maintenant, c'est que je suis en train de vraiment condenser toute la recherche, l'extraction minière de ça et de ça, parce que le but ça va être de mettre des fours à la place, voilà, enlever tout ça et enlever ça et refaire tous les fours là sur toute cette place, parce que là on a l'arrivée de ici de cuivre, et là on a l'arrivée de fer. Ils sont coupés toutes les deux, les trains sont arrêtés. Voilà, première chose. Deuxième chose, j'ai mis des renforts ici. Ah, j'ai pas mis de radar, tiens. Ouais, voilà, ça faudra que je le refasse mieux avec des petits radars et tout au milieu. Là, j'avais des milliards d'aliens là sur tout ça là. C'était fou, je me suis battu comme Jaja. Je suis pas mort parce que j'ai save et j'ai recommencé à la fin, je suis pas mort. J'ai une nouvelle astuce, enfin je mets des tourelles maintenant parce que sinon c'est pas possible, ils sont trop nombreux. Voilà, tourelles, j'ai fait un petit blueprint ou pas? Voilà. J'ai fait un petit blueprint avec des tourelles électriques là. Que je pose. Là j'étais en train de faire des recherches sur la rapidité justement et la force des tourelles électriques. Là, niveau 1, faire ça. Qu'est-ce que je me suis fait? Je me suis changé un petit peu le stuff, et d'ailleurs ça on va le faire, je vais arrêter de prendre les matériaux de base et je vais plutôt prendre des matériaux avancés maintenant. Voilà, on va mettre à jour tout ça. Des petits changements à droite à gauche, de la petite optimisation vite fait sur la base. Ah oui, je vais me faire des munitions de tourelle, je me suis fait un shotgun automatique. Et on va se faire des munitions de lance-flammes, on va les automatiser. J'ai automatisé 2-3 trucs en plus, des trucs de réparation. Qu'est-ce que j'ai automatisé? Non, ce soir je joue pas à Raft. Et je vais bientôt tourner sur Raft. Après on pourra continuer à être en live. Voilà, voilà, voilà. Et donc là on va aller faire un petit peu ça. Et ensuite il va falloir se battre contre ces aliens ici et ceux-là. Être tranquille encore un petit moment de plus, même si là ça va bientôt être la merde de ce côté là heureusement que ça tourne pas, le pétrole ça tourne j'ai l'impression, mais là le fer ça tourne plus, donc ça a arrêté de polluer heureusement. Et ça va bientôt changer, donc on va avoir de la fight. Il va falloir que ça commence à être compliqué les aliens là. Alors est-ce que j'avais un véhicule? Non, je crois qu'il a pété, je crois que j'étais à pied. C'est parti les amis. Le son est pas trop fort, normalement le son baisse quand je parle. Alors les potions ça y va, on a commencé du coup à faire masse de potions violettes. Là on en est à ce creux ici, il y en a là. Là on va bientôt arriver jusqu'au coffre et les coffres vont commencer à se remplir. Il y a plus de. On a plus de ressources, hein, c'est revenu un petit peu les ressources. Ah voilà, il y avait ça qui était mélangé, ouais. Et cette merde. Ah ouais, c'est vrai que le PC a planté. Mon PC qui a planté quoi, incroyable. Il y en a encore. Bon là on va pas trop voir. Ici c'est donc reparti, voilà, nickel. Et qu'est-ce que je voulais faire de plus? Je sais plus trop. Ok. Allez, on va un peu buter de l'alien. Je pense que je vais faire la mise à jour de mon stuff. Là si je fais ça, je mets ça là, on va le prendre.
ouais, j'étais en train de faire ça. Ok, c'est vrai, j'en étais là. C'est ça que je faisais. Donc là, 2 et 2. 1, 2, 1, 2. 2, 2. Ils sont là. Ah, parce qu'il en faut, je suis bête. Ah, mais énorme, j'ai déjà. Ah, ouais, mais ils vont là-dedans. Du coup. Voilà, on attend celui-là et on est bon. Ma caméra, c'est une Logitech. Avec le nouvel angle de caméra, là, on voit plus l'angle de la pièce. C'est un plus grand angle. C'est pas pour ça. Ouais. Voyons si ça va sortir deux potions. Ah non, c'est ça. Ça en sort une quand ça s'est monté, je crois. C'est pas grand, c'est pas grand chose, mais. Ok. Alors je vais pouvoir faire ça là, mais il me faut que je commence l'extraction de. Ah, il me fallait de la pierre aussi, c'est ça qu'on va peut-être faire. L'extraction de l'uranium et de la pierre. On va aller faire les aliens. On va mettre à jour le stuff et si on a le temps, on commence un peu cette nouvelle extraction. Yes, ça y est. Ça y est, on va bientôt commencer à remplir le coffre. Alors normalement je dois avoir des moteurs sur moi maintenant aussi. Moteur électrique et moteur normaux. Les munitions j'en ai masse normalement. Alors, est-ce que j'en demande assez 6, non ouais c'est pas. Ok c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance parce qu'il y a moyen qu'on meure. On va sauvegarder. Ok. Salut les gars. Du doigt, doigt. Bon, déjà eux. Ok, ça c'est fait. Merde. Ensuite. C'est parti.
faut dire que je me suis un peu entraîné, les gars. Et merde. Je dis ça et je perds ma caisse, quoi. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Il me faut une voiture. C'est ça qu'il me faut. Ok. Pour l'instant, ça se passe bien. Enfin, ça se passe pas trop mal, on va dire. Il y a un peu de perte. C'est pas si pire. À pied, je peux pas repartir de bagnole. C'est un gros port. Gros puertos. Il y a de la perte, les amis, il y a de la perte. On va sortir ça quand même. C'est fait. Macron parle à BFM TV, ils ont dit qu'il y aura reconfinement total, mais moins strict que depuis mars. On bat les couilles. Pas les couilles de Macron. Bien assez chier comme ça. Vous n'avez pas voté pour lui, quoi. Au moins, c'est à ce moment-là qu'on aurait pu faire quelque chose, mais les gens sont tellement cons. Avec le FN, ils font toujours mettre le FN au second tour. Le FN, ça fait 30 ans qu'ils sont parlementaires européens. Ils n'ont jamais été présidents, ils n'ont rien à branler. Ils touchent de la thune du Parlement européen. Ils viennent se présenter pour perdre, pour faire passer le grand capital. Et tous les candidats, que ce soit la gauche ou la droite, ils sortent de la même école, ils se connaissent tous. Donc c'est les patrons qui détiennent la politique. Les patrons du monde et des grandes entreprises et qui font élire leurs petits candidats, ils ont la même vie sur les écoles et ça fait des dizaines d'années que ça dure. Donc ce qui se passe en politique aujourd'hui, il n'y a rien d'étonnant. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Ce petit cochon. Faire de politique. Bon là ça avance, c'est cool. Faut qu'on me redonne des moteurs et après je peux repartir pour fighter d'en bas. On va aller se faire E. Déjà on sera pas mal et il faudrait que je me fasse E aussi. Et on sera vraiment bien quoi. Si on fait ça, on est vraiment bien. Puis je peux aller chercher de la pierre ici. Donc il faudra que je me fasse cela. Là c'était énorme. Mais bon là c'est en pleine pollution. Ça s'est fait emmerder. Il faudra que je me fasse E aussi quand je traiterai la pierre. Il va falloir faire très rapidement. Je vais peut-être même faire un pont pour passer les rails. Améliorer les robots. C'est des robots ouvriers, faut les potions jaunes.
Là, faudrait vraiment que je m'attaque aux potions jaunes en fait. Une fois que j'aurai bien mis à niveau la base, je devrais faire aussi les missions de lance-roquettes histoire de s'amuser un peu. Mais d'abord, faut que je tue ces aliens absolument. Mais c'est sympa de parler, mais t'inquiète, les gens ils sont tranquilles, ils parlent, ils ont pas forcément. Et quand c'est un live pas prévenu comme ça, on est pas beaucoup. Les gens tuent et regardent. Qu'on finisse ça. Aussi là, j'arrête pas. Je vais mettre ça dans l'acier, je vais reposer le reste de charbon. Il n'y a plus trop de fer qui arrive forcément. Ok. Donc est-ce que j'ai des moteurs toujours pas? C'est bon, parfait. J'ai du charbon, de normalement. On va ramener. Et il reste quelques poissons, j'ai encore 108 grenades, j'ai 400 balles, on va en chercher un peu. On est reparti pour la guerre, j'ai 80 tourelles et j'ai 5 tourelles laser. Un petit peu amélioré. Ah ça, je pourrais faire recherche améliorée encore. J'espère que ma recherche... sur les coffres, n'a pas disparu. J'ai plus de robots. Mais venez. Regardez. Cassez. Vous allez où? Mais non mais... Mort. Pas mort non? Robots sur moi, je comprends pas là, qu'est-ce qui se passe. Et des fois, je comprends pas. Ça doit pas être bien compliqué, mais. Pourquoi vous allez là-bas? Bon, ils vont remettre des munitions. Ah non, ils me redonnent à moi. Peut-être que je les garde dans mon inventaire. Ah, faut que je les garde dans mon inventaire, peut-être. Voyons. Voilà, pas dans mon inventaire, ok. Salut, bien. Yann, pardon. Oui. À nous. Il y a du pétrole par ici, c'est cool. Oh, 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 ça a mal tourné, oh, ça a mal tourné.
Ah, j'ai plus de circuits, j'ai plus rien, merde. C'est ça qu'il faut que je demande, des circuits, c'est ça qu'il faut que je mette à jour. J'ai toujours des circuits sur moi. Là, on va le faire en rentrant directement. On va plus emmerder. La dernière voiture que je peux fabriquer parce que j'ai pas plus de moteur. J'ai plus de balles. J'ai mis les tourelles. Hydrozo. Au secours! Non, je suis coincé! Non! Je vais m'approcher avec les tourelles, je pense. J'ai 170 munitions, il n'y en a pas beaucoup dans les tourelles, mais on va faire quelque chose. Yes! Nice! Bienvenue à toi, Chou-marin. Chou-marin. Donc. Ok, bon, ça c'est fait. Ah, j'ai plus assez de munitions, on va rentrer, je vais me mettre à jour mon stuff. C'est chiant là de pas avoir de circuit et tout à chaque fois. Déjà, on a bien fighté les aliens, c'est cool, je save. Ah, ça fait du bien. Me voir en IRL. Je vais me voir en IRL. Moi j'habite au Pays Basque, hein, parce qu'il y a déjà des abonnés qui sont passés, qui ont été voir avec qui j'ai fait du drone même et tout. Personne comme une autre. Alors là il y a des trucs que j'ai. Ah, je devrais continuer à marquer ça, tiens. Circuit rouge, poisson bleu, circuit bleu. Et ici c'est potion violette. C'est le labo, je crois que j'avais marqué. Bon, ok. On va se garer. Faire des places de parking. C'est important de faire de la déco, vous le savez bien.
Ok. On est là. Ça progresse gentiment. Ok, ok. Donc, c'est parti. Ça, on en prend quand même. Ça, on garde. Ça. Comment je le vire? Je fais comme ça. Sans vire, sans vire. Arrêter de prendre des balles comme ça. Ah, ça j'en prends, ça j'en prends. Les moteurs aussi. Batterie. Alors, ah, il m'en faut le bois, j'en garde. Ouais, je garde ce que j'ai sur moi. Tout ça, on le dégage. Pas besoin. Les bidons, je les garde. Alors, moi j'ai d'autres. Okay. C'est vrai que l'inventaire peut être 100 fois plus grand. Qu'est-ce qu'il me faut? Des circuits verts. Circuit rouge. Bleu. Il m'en faut plus. Je devrais garder un peu de fer quand même. On va garder 100 de fer. En max. En mini-max. On va garder pareil de copper, on sait jamais. Ok, ensuite ça, il m'en faut plus de l'acier. Au moins puissant. Ensuite, qu'est-ce qu'il va me falloir? Les tuyaux, on en a pas fabriqué. Ah, j'ai pas les fabriques de ça. C'est vrai que ce serait bien d'avoir toujours des drones. Faut que je fabrique des drones. Faut que j'automatise tout ça dans un même endroit, je pense. C'est parfait. Déjà, ça c'est pas mal. On va voir ce qui me manque au fur et à mesure. Oh, le réseau logistique. Là, on a les circuits rouges. Et là, on a les circuits bleus. Servir. Ok. Alors j'aurais dû en commander qu'un. On va d'abord en commander un.
Donc maintenant, on va se faire alimenter nos circuits. Les circuits verts, je ne sais pas. À côté. J'ai oublié de faire ça. Yes. Voilà, on va avoir batterie, circuit, tout ce qu'il faut. Explosif, je m'en prends aussi. Les explosifs, on les a mis dans quelque chose. Alors, batterie, je les ai mises, on les a maintenant. On en a toujours 200 normalement. Donc je les ai prises, ouais. Voilà, 200. Et il faut qu'on se mette un peu d'explosif qu'on en fabrique. On va en garder sur nous. Explosif. À quoi ça sert les explosifs d'ailleurs déjà? Ça sert juste. Ça sert juste à être fabriqué, je crois. Pour la fabrication. Voilà, et ensuite il va falloir fabriquer tous nos drones. Et avant, on ira. Faut aller chercher de la pierre. Non, avant, il faudrait même que je fasse les potions jaunes. Voyons comment c'est les potions jaunes. Circuit bleu. Ah oui, voilà, les structures de faible densité. Ouais. Et ensuite, le reste, on l'a. Hein. Circuit bleu et châssis de robot volant, on les a. Ah les gars, il va falloir que je passe un petit coup de fil. Je vais faire une pause de 2 secondes. Désolé YouTube, je vais pas couper maintenant. Mais je vais faire une pause parce qu'il faut que je passe un coup de fil. Et en plus, que je vais en profiter pour aller aux toilettes. Les amis, je suis navré. Je vous le dis à tout de suite. Je suis là. Non, je suis toujours pas là. Là, je suis là avec le son. C'est bon. Mathias. Polo. Merci beaucoup pour ces 3 mois d'abonnement. 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup, mec. C'est très sympa. Merci beaucoup. Des gros bisous. Ok, je suis là. Ok.
Est-ce que je peux faire la méga combinaison de ouf? Il faut 400 potions de chaque. Il faut que j'apprenne les armes. On n'y est pas encore. Que c'est? Et de contrôle de fusée. Statif MK2. Que j'ai bien besoin de faire. On va faire l'uranium. On en était où? Avec ça. Que je fabrique des fours électriques, ce serait cool. Comment fabriquer des trucs? Circuit rouge, de la pierre. On a tout ce qu'il faut vers en haut là-bas. Là, c'est vrai que je pensais un petit peu aux potions, à la pierre. Pff, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Là, c'est un peu de tout. Hein. La pierre, il y en a là et là. Ah, je pourrais. Faire un petit rond-point ici. On va faire descendre pour aller à la pierre. Ouais, je pense que la pierre, je vais la faire par là. D'abord, faudra aller faire ça. Hein, ce serait l'idéal. Quand on va relancer les fours ici, là, ça va polluer comme jaja. Ouais, je vais aller faire ça maintenant, comme ça, ce sera fait. Pas assez de balles. Bon, on va build un peu. Allez, j'ai envie de build, je me suis assez battu. Alors, on touche au but. Un peu de bouton. Le cuivre, on en est où? On progresse. Ok, stuff c'est un peu mieux. Alors est-ce que je commence à fabriquer les robots pour être tranquille? Ou est-ce que je commence à fabriquer les potions? Qu'est-ce qu'on fait? On fait les potions ou on fait les robots? Sachant que j'ai les châssis de robots qui sont là. Donc c'est pas loin du... qu'est-ce qu'il faut pour faire tout ça? Là, faut des châssis de robots et des circuits rouges. Châssis de robots, circuit vert. Coffre, circuit. Circuit rouge et... Connage et acier. Faut encore que je prenne de l'acier. C'est vrai que je pourrais me caler par là. Bienvenue à Tahiti. Et là on a un bon espace là, je pense que là je pourrais m'occuper d'avoir de l'automatisation des robots, ce serait quand même cool. Ce serait quand même bien. Regardez un peu cet espace là. Là, on automatise des châssis de robots qui vont ici. Ok. Donc. Et pour faire ça, il nous faut quoi? Où ces petits robots là? Ils sont là. Au circuit vert, des cartes. Ah putain, il faut des balles.
Ok, donc, oh là, c'est chiant ça. Ça, je vais pas pouvoir le faire ici, pas. Faut des balles, des circuits verts et des engrenages. Donc ça, je peux les faire en bas. Est-ce que j'ai de la place pour faire ça? Je sais que j'aimerais bien avoir des petits robots de combat là. Ce serait vraiment pas mal. Et après, il me faut les potions jaunes pour améliorer la vitesse des robots et leur capacité de charge. Donc on a dit ces robots là déjà. Chargeur, circuit vert, engrenage. Les chargeurs, il y en a là. Bien le bordel ici. Peut-être faire comme ça. Là j'ai des circuits verts et là j'ai des engrenages. On va faire un truc à l'arrache. C'est parti. Tout ce qu'on aime. Donc ici on a des chargeurs. Cuver à engrenage. Attention, ça va être sale. Les prendre plutôt d'ici parce que là il y a des circuits verts et des engrenages. Vous avez prévenu, hein. Let's go baby. Bien évidemment, faut faire ça. Mais non, je peux faire ça. Je vais me demander d'avoir toujours sur moi. Boum! Un robot. Bam! Ça c'est fait.
Ici. Nickel, tout ça. Je sais pas quand est-ce que je joue à Raft. Pas de programme. Ou quand j'ai envie, comme j'ai envie. Et alors, elles sont où ces petites bêtes? Alors, aveugleman. J'ai mis les robots ou pas? Pas validé, on est d'accord. Alors ça, je vais arrêter d'en prendre du coup. Les robots, je vais vraiment les prendre cette fois-ci. Je peux le faire deux fois. Je les ai déjà fait ou pas? Non, voilà, c'est bon. Ok, parfait. Alors, on part ici maintenant. Justin. Il y a un petit truc que je voulais faire où je peux faire des mines. Donc c'est pétrole brut et acier. On n'a pas trop d'acier dans le coin. Bon, les munitions de lance-flammes, on verra un petit peu plus tard. Oh là là là. Voilà, c'est normal. Normal, c'est normal. Volontaire. On épuise notre gisement à l'intérieur de notre base pour avoir que des gisements extérieurs. Énergie nucléaire. On pourrait faire ça après un petit laser portatif, ce serait sympa. Ouais, mais bon, ma combi, elle est bien comme ça. Ça, ça doit consommer masse. À mon avis, c'est pour la combi un peu plus évoluée. Ouh, ça, on pourrait faire dégâts des armes à projectiles. Qu'est-ce que... Ah, c'est bon, ça fonctionne. Ok. Donc, on revient à nos robots. Circuit rouge, circuit vert. Coffre en acier. Il faut que ça se venir de l'acier. On va en avoir de l'acier, rassurez-vous, c'est normal. Okay.
Donc on a de l'acier. C'est vrai que j'ai plus la vision nocturne. Mettre un peu de lumière parce qu'on n'a plus d'aller. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là du coup? Il faut qu'on voit ça. C'est de s'échapper avec une fusée le but du jeu. Donc voilà. Étant donné qu'on est à une potion, ça a éteint le coffre. Je monte mon petit circuit logique vert. Donc le bras est relié au coffre et le bras à la condition d'activation. Activer, désactiver. Condition d'activation est activée quand c'est inférieur ou égal à 500. Voilà, tant que c'est inférieur ou égal à 500, ça va continuer de balancer de la potion. Et nous, comme ça, on va stacker. Ah, c'est bon. J'ai un petit coup de fil à passer, je reviens tout de suite. Et nous, comme ça, on va stacker dans le coffre. A de suite, les gars. Ok, me revoici. Salut, salut les gars, salut à tous. Donc là, normalement, on va stacker de la potion. 1, 2, 3, et ça devrait se stopper tout seul. Ok, donc c'est bon, on marche. Donc nous, on en est là. Faire revoir le fer où ça en est parce que je pense qu'on va peut-être faire les fours avant de faire les potions. Mais bon, j'ai quand même envie de m'occuper vite fait des potions. Mais regardez, on fait plus d'acier. Faut qu'on refasse les fours du fer et du cuivre. Donc circuit vert et circuit rouge, on a dit. Sortir là les circuits verts.
Ok, et les circuits rouges, je vais les sortir ici. Non, ça va être compliqué. Ok. Ok, ok, ok. Maintenant, il nous faut les robots. Les robots, ils sont là. Là, on a un petit buffer. Attente. Ok, donc là, on peut reprendre ça. Il n'y a pas d'électricité. Donc là, normalement, on peut tout faire. Donc on va commencer par faire ça. Et ça, ça va nous servir pour quoi? Ah voilà, le coffre en acier. En acier, et là, il nous faut carrément de l'acier. Et des engrenages. Pour aussi faire du fer. Ça, ça va aller là-bas. Là, de côté, donc ça, ça va venir en bas. Donc ça, comme ça. Comme ça, ça vient qu'en haut. Ici. Bon. Donc là, on va faire un truc comme ça. Je sais pas. Je sais pas, mais on va essayer un truc marrant. Là, je vais le faire à l'acier, ouais, je suis bête. Comme ça. On se retrouve avec ça. Ici, on a les moteurs. Donc, comment on va s'y prendre? Alors, ça va être moche. Et tout, c'est que ça marche. Les moteurs, on va les split en deux. Là, les moteurs sont en haut, c'est chiant. Là, c'est bon, par contre. C'est bon.
Et ici, c'est bon. Donc là, on peut fabriquer les robots. Dans le réseau. On n'a pas besoin de beaucoup de machines. On va juste prendre deux machines. Chemin, mais est-ce bien grave? Ça. Là, on va remplir 200 robots seulement. On va aller dans logistique, on va dire qu'on veut des robots. Alors, il est où le robot de combat? Il est là. On va dire qu'on en veut. On veut. Et 50. Là, ça y est, j'ai l'impression qu'il n'y a plus du tout de fer là. On est vraiment sur la fin. Donc c'est bon, on a déjà nos robots automatisés. Là, il ne manque plus que les coffres. Là. Là où on va commencer à faire des coffres d'acier. Là, ici, il y a de l'acier et du fer. L'acier et le fer, on va faire ça. Il faut encore emmener des circuits rouges. Ah, j'ai tout pris les circuits rouges où je vais pouvoir reprendre. Le rouge, c'est là. Le rouge, c'est ça. Circuit rouge qui devrait arriver. J'aurais pas dû mettre l'acier avec. Ouais, c'est, je m'y prends mal, mais bon, on fait un truc en. On invente, on crée. J'ai la place sur ma carte, la gaz, je la prends. Ouais. GG pour ta base, merci. J'en suis pas à ma première partie. Hein. J'en suis pas. J'ai pas encore fait les potions blanches, non. Non. J'en suis pas là encore. Là, j'ai fait les potions violettes et là j'ai les potions bleues. Mais là, il faut que je refasse tout ça là. Ça va dégager, voilà, c'est quasiment fini. Pour refaire la totalité des fours parce que j'ai les trains qui attendent déjà. Donc c'est pour ça que là on n'a plus du tout de ressources. D'ailleurs je pense que je vais aller faire ça, mais vite fait je voulais continuer ça. Là c'est vraiment de la. C'est un peu à chier hein, ce que j'ai fait. Donc
Le fer, il ne sert qu'à construire l'engrenage. Le fer et l'acier, c'était pas trop utile ensemble, mais si. Parce qu'en fait, fais ça. Engrenages. Donc si je prends deux machines, ici, on va pas tout coller, mais quand même pas coller. On prend des bras filtrés, même pas, on n'a pas besoin de bras filtrés. Ici, on ne veut fabriquer que des engrenages. Là, elle va prendre que le fer, elle va laisser l'acier. Cet engrenage, on va le reposer sur ce tapis. On va le poser sur la partie haute ou sur la partie basse, j'ai oublié. Sur la partie. On va le poser sur la partie basse. Là, ça tombe bien parce que vous voyez que. Non, là c'est pas filtré, ça va arriver des deux côtés. Donc là c'est pas bon. Il me faut un peu de place ici, de ce bordel. Je savais que ça allait être le bordel. Parce que là, du coup, je peux faire comme ça. Là, il faut que ça soit sur la partie haute. Donc là, si je fais ça. Ça, ça. Ah, j'ai pas la place. Ah si. Ici, je peux faire ça. Ça va marcher. Ouais, voilà, comme ça va être que sur la partie haute du tapis. Donc là, dès que j'ai des circuits rouges qui vont arriver, donc on va... On va reproduire un petit peu de circuit parce que là ça va plus du tout. De faire. On va refaire faire un peu de circuit. Circuit vert qui vont faire des circuits rouges qui vont faire des circuits bleus. J'espère que ça va être bientôt fini cette merde. Quasi fini. Là, là il y en a plein encore, c'est chiant. 36. Je réfléchis. Je gratte ça en réfléchissant. De toute façon, il y a les autres qui vont rester. Moi, 36, je vais les enlever. On va finir l'usine en haut, puis il va falloir attaquer les potions. Jusqu'à 2 heures de live, après pour les arrêter. De toute façon, on sort celui-là, hein. Venez sur 7 days, ils ont été tapés. Et il y a Raph très bientôt, t'inquiète pas.
Le jour viendra. Hein, il y a tellement de trucs qui m'entendent plus. Je vais pouvoir enlever tout ça. Produit un peu de circuit, peu de circuits qui reviennent, à rebalancer dans les circuits rouges. Circuits rouges, c'est autre. Ça y est, on va refaire quelques circuits rouges, ça arrive. Alors qu'on en ait 2-3 qui remplissent les tapis, voir où ça va. Le bordel. Donc normalement, là, on se retrouve avec des engrenages. Avec tout ce qu'il faut. Donc là, on va faire passer que l'acier. Et là, on se retrouve avec de l'acier ici. Des engrenages. Alors, on se retrouve donc avec de l'acier, des engrenages et des circuits rouges. Là, un peu, vraiment, comme ça. Et voilà, on a un circuit rouge qui est arrivé. Donc robot port automatisé. Boum! Donc nous, on veut des robots ports. Robots ports. Maintenant, il nous manque plus que les coffres. On verra bien si ça se fabrique. En tout cas, ça c'est fait. Maintenant, il manque plus que les coffres. Circuit vert et circuit rouge et les coffres en acier. Alors, c'est chiant parce que c'est vide, donc on n'y voit rien. Rien. Les rouges, ça va direct là-dedans. Les verts, ils sont ici. Enfin, les verts sont là. Donc les verts, je peux les prendre facilement. Le vert, il arrive ici. Voilà, ça y est, boum. Le vert, je peux le prendre ici. Là, j'ai du circuit vert. Non, le circuit rouge, j'ai fait un peu de course. Le circuit rouge, c'est un peu la merde. Si je peux le prendre là. Ouais, j'ai bien fait de tout tasser dès le début. Voilà, vraiment, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est vraiment tout pourri. Mais de bien s'étaler avec une ligne bien propre et de piocher que ce qu'on a besoin. Maintenant, je me retrouve emmerdé. Mais bon, je vais faire un truc encore toujours plus sale. Un autre petit coin bordel ici. Je suis pas fier, hein. Je suis pas fier de ce truc-là.
Et ben là, on doit avoir des circuits verts et des circuits. Voilà. On va les avoir. Vert et rouge. Pardon. Alors ici on va faire des coffres rouges, là on va faire des coffres jaunes. Voilà, je vais aller chercher un peu de béton. Et on va voir si ça se remplit. Pourquoi ils vont pas m'en donner? Non, on en demande pas. Béton raffiné. Les robots ils viennent petit à petit, je mets une dynamite, ça ça va dégager. Donc prochaine étape, les potions, après les fours. Ok, c'est pas bon, c'est des coffres en acier qu'il faut. Espérons que ça remplit suffisamment, que ça arrive à choper. Je vais peut-être mettre ça là du coup. Là ici. Voilà. 98 drones de combat. Pas mal. Voilà, notre sale et moche petite usine dégueulasse est terminée.
Ok. Juste pour que ça paraisse un peu moins moche. Des glitch, comment ça? Bon, je regarde tes lives, je me spoil un peu. Ah. Comment ça on utilise des glitch? Moi j'utilise des glitch. Ouais, il nous manque les cercles verts. Cercles verts qui sont là, qui sont ici. Cercles verts qui sont ici et qui sont vides. Bon, ça a bien avancé, c'est cool. Maintenant, je pense qu'on peut surtout profiter de ça. Et ça y est, on y est. Quasi plus rien. Et là, c'est bon, c'est fini. Yes, ici, on y est presque aussi. Ben voilà. Voyons si ça se remplit nos potions. Et ouais non, puisqu'on n'a plus de ressources. Salut John. Tu as bien fait la base de ta monnaie que ta possession. Merci John. Écoute. Salut Clifford, sympa de te voir sur Factorio. Dis, la musique, celle du jeu, oui. Non, c'est la musique du jeu, c'est la bande la BO du jeu. Ok. Bon, ça tout tourne bien. On est bien. J'attends juste de pouvoir refaire tous les fours. Et on peut relancer les trains. Une fois qu'on relance les trains, on est nickel chrome. Là, il n'y a plus d'aliens, là ils sont loin, là ils sont loin, là ils sont loin. C'est juste là où il va falloir fighter de l'alien un petit peu.
On a nos... Alors ici, je vais mettre les... Et je vais mettre un petit truc ici. Et les robots. Non. Ici. Donc c'est drones et coffres et tout le tralala. Donc je vais mettre le robot port. Waouh. Le wagon d'artillerie. Waouh. Je me suis spoil. On va mettre le robot port. Parce qu'on fait aussi le robot port. Hein. Tellement le bordel. Ah, un circuit vert. Hop, il s'est fait choper. Il est là. Et hop là. Ok, bon. Est-ce que j'attaque? Alors du coup, ouais, je vais devoir tout effacer. Hein. Ouais, peut-être que je me fasse un pattern. On va faire ça, tiens. Je vais faire le pattern en attendant. Allô? Allô les robots? De réparation ou quoi? Ah, j'ai plus de trucs de réparation? On est 99. Ok. Merci, mais les arbres, c'est la pire des merdes. Alors, tu peux le mettre dans ton inventaire. Je parle. Pour sortir des objets, il faut exploser les pièces avec des bonbonnes de gaz. Et les transpalettes pour les objets pendant le... Ah mais pourquoi tu me parles de Scrap Mécanique maintenant? Ah, la base des abonnés que t'as posté sur YouTube, j'ai beaucoup aimé. Ça y est, j'ai enfin compris ce que t'as dit. Yes, la base de Grégouf. Ouais, il a expliqué, j'ai vu le message. J'ai vu le commentaire où il répond. D'ailleurs, je l'ai liké. Peine de me redire, puisque j'ai mis un cœur dessus. Du tout dans Scrap Mécanique. Cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Donc on va mettre des fours électriques. Je ne fabrique pas encore les fours électriques. Je pourrais pas les fabriquer dans le grand mall parce que dans le grand mall, là où je, le grand supermarché, là où je fabrique tous les tapis et tout, parce qu'il n'y a pas les circuits rouges qui viennent. Donc, où est-ce que j'ai ça tout à côté? Parce que ce serait bien que je les automatise. Pierre, circuit rouge et acier ici. De la pierre ici, du circuit rouge ici et de l'acier là.
Allez, juste là. Acier. Cas sur ce tapis. Ouais, ça c'est l'arrivée. Ok, et c'est cas sur ce tapis. Les rails. Acier. Faire les fours ici, hein, tant pis. Bordel pour bordel. J'en prends que un côté. Là j'ai de l'acier. Ensuite, si je fais ça. Et ce poteau servait à rien. Je vais mettre ça ici. Là. Non, 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 non. Au secours. J'ai de la pierre, j'ai de l'acier. Maintenant, il me faut les circuits rouges. Les circuits rouges, on va les prendre ici. Ah bon. Ouf. Prendre là quand même. Oui, nous avons officiellement. Alors la zone, elle est où? Nous avons officiellement des coffres. Des coffres, qu'est-ce que je raconte là? Des fours. Des criques. Et voilà, parfait, oh cool. Donc là, normalement, on devrait en avoir sur nous, des fours, petit à petit. La seule chose qu'il faut, c'est de l'acier. Mais là, on devrait vraiment être proche du but. Ça va faire 1h40, ça va, on a encore 20 minutes. Et les fours, je pense pas qu'on va les faire en aussi peu de temps.
au four. Mais en tout cas, maintenant, ils sont automatisés. Donc, on va pouvoir les remplacer plus rapidement. Il y a combien on a de potions là-dedans? Mais pas beaucoup plus parce qu'on n'a toujours pas d'arrivée de fer conséquente. Celle-là. Allez, on a combien là? 304. Oh bordel. On va essayer d'en mettre deux. Boum. Allez, on se dépêche. Là, combien il y a? Et celle-là, on va les faire. On a un joli petit parterre tout propre. Alors le charbon, du coup, j'en ai plus besoin. Parce que là, il n'y a que des fours électriques. Est-ce que je laisserai pas cette installation au charbon? Ouais, mais elle est mal faite, en fait. Faut que je fasse deux sortes. Faut qu'au milieu, j'ai deux tapis. Et là, au milieu, j'ai qu'un tapis. Faut que je refasse le milieu avec deux tapis. Faut peut-être laisser les fours à charbon là. Peut-être je vais consommer trop d'électricité après. Je suis peut-être pas prêt à faire tout en électrique en fait. Oh là 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 là, j'hésite, je sais pas. Choix difficile, je vais sauvegarder. Je tâte à faire le même pattern avec deux tapis au milieu là. Voilà, ça descend, on le voit descendre, on est à 320. Pas plus pour tant de temps. Là, il me semble qu'il y a du copper. Là, je pense que je vais foutre du copper en fait. Ouais, voilà, 810 de copper. Bon, là, il n'y a que de la pierre. Ok. 212. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Que je remets ce pattern-là. Donc là, on remplit 4 fours, 5. Donc ça, déjà, c'est trop grand. Donc, de toute façon, ils sont trop grands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux faire 10 avec un tapis entier. Rempli 20 fours. Là, avec un demi-tapis, il n'y a que les 5 premiers qui s'allument. Donc il y en a 5 autres qui vont s'allumer.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, on passe ça comme ça. On va faire ça. J'ai l'impression que la base elle est plus reliée là. Donc, on va faire ça. On va garder ses fours. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois. Ensuite, au milieu. Ça va être comme ça. Donc, au niveau des bras. C'est des bras rouges qui vont prendre le minerai. Donc j'espère que ça va être assez rapide. Là c'est pour prendre le minerai, donc faut des bras bleus. Là j'ai pris des jaunes parce que c'est du charbon, donc on s'en fout. Et maintenant. Ok. Ah, normalement on est pas mal. Ah ça y est, c'est terminé. Donc là, on n'a plus que du fer. Bon, de toute façon, on va tout effacer là. Je vais tout enlever. Ok, donc là il va me falloir de l'espace. Ok, suis-je vraiment prêt? Faut absolument que je laisse ça.
Et j'essaie de m'organiser parce que là c'est tellement le bordel. Je pense que je vais faire des champs de panneaux solaires pour commencer, mais pour essayer la feature, je vais voir si je peux pas me lancer dans le nucléaire et tout. Hier on me disait dans le chat c'est vitré, c'est vitré, toutes les ressources qu'il y a dedans c'est quand même super chiant à prendre. Yes, combien on a là? 11. Oh là là, oh là là, je me demande bien ce que ça va donner. Ça, c'est pour un tapis complet. Ok.
Alors je vais laisser comme ça, même si pas du tout certain de l'équilibrage que j'ai pu faire auparavant. Je me suis trompé. Je crois. Merde. Bravo le veau. Bravo le veau. Je vais branler. Ouais, c'est pas du tout fini, c'est pas du tout fait comme il faut. Non. Ok, ouais, je vais le refaire. Merde, on a perdu du temps sur cette fin de live, dommage. Là, il manque des... le rat du tapis. Ça, ça sert à rien. Donc ça, ça va être dans l'autre sens. Donc on a l'arrivée du charbon et voilà, là ça va être mieux. Donc on va effacer ça. Alors, le charbon. Le charbon, il est là. C'est quand même beaucoup la merde, d'ailleurs. Le charbon va l'intercepter par là. Ok. C'est reparti. Normalement là on devrait y être, parce que maintenant qu'est-ce qui se passe?
On va faire comme ça. Donc là, on alimente en charbon. Là, on alimente en fer. Là, maintenant, ça va bombarder. Là. On a une nouvelle production de fer. Alors ça paraît plus petit, mais ça va être mieux géré à mon avis. Ensuite, si on a trop de fer qui arrive encore, je vais le redoubler ici. Ça va être le gros bordel. Énorme comme production et tout est plein. Et donc je peux encore le refaire. Je vais attendre que ça se termine. Je pense que je vais le déplacer vers l'avant. Je vais tout réenlever. Je vais tout déplacer vers l'avant et je vais pas en mettre que deux. Je vais en mettre quatre. Et ensuite, je sais pas où je ferai passer. Je vais passer sur le côté là avant de les faire revenir au milieu. Et là on peut encore produire bien plus que ça je pense. Voilà, donc ça va relancer les trains. Robots de combat, et ben voilà, nickel. Oula, 300 chacune. Bon, de toute façon maintenant, là, de nouveau de la ressource. Et voilà, on va renvoyer du circulaire comme jamais. Et là... Voilà, tout le monde travaille, mais vu que maintenant on a changé les tapis, on devrait produire encore plus de circuits verts. Alors tout est pris quand même. Il n'y a pas encore assez de fer qui arrive. Mais bon, c'est mieux déjà. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Voyons là-bas notre usine. Là, ça va recommencer à travailler du coup.
Pour ça, je pense qu'on fera les potions jaunes. L'usine, avant que ça, on ait réussi à en faire suffisamment. Donc, je vais essayer ce truc-là un peu. Ah, ils sont directement pris à mon avis. Là aussi ça doit être directement pris quand ça fabrique. C'est pour ça que pour l'instant tout est vide parce que faut que moi je sois rempli à fond vu que j'ai les demandes de tout ça. Le tout c'est que là ça se remplisse de... Voyons l'acier. Je pense que ça a relancé l'acier un peu, ça se remplisse de ressources. Voilà, l'acier, ça repart gentiment. De toute façon, il en faut énormément là, donc ça va mettre du temps à repartir, mais ça va. On a de la ressource. Est-ce que... Est-ce que je pourrais pas faire fonctionner tous les fours à mettre des tapis rouges? Voilà, ça se stack, alors que si ça passe plus vite, ça va peut-être allumer tous les fours. Ça, ça va faire du stock ici. Voilà. Ok, bon, on a relancé la bête un peu. On a relancé la bête, ça fait 2 heures de live. C'est le moment d'arrêter, les amis. On essaie. On peut regarder ce qui se passe. On peut faire le... Fini ça ou c'est pas fini? C'est pas fini encore, hein. Allez, je fais un dernier truc. Je coupe le live. Je vais refaire les fours. Ah ouais, mais là, j'ai ça qui me gêne. Non, je ne peux pas encore faire tous les fours. Je les ferai un peu plus tard et je vais voir si je les fais pas comme ça, dans ce sens-là. On va mettre plus. Et là, quand je vais pousser tout ça, je vais pouvoir bien caler le copper plus bas. Et le copper, il faut que j'en fasse 2. Non, mais je vais faire comme ça, 2, 1 et 2, et là 1, 2, 3, 4, je pense que ça va se passer comme ça. Là on va repolluer ici, là ça va pas trop leur plaire, donc on va faire ça pour ce fin de live plutôt, on va juste buter du bitter, comme il se doit. Et ouais, voilà, c'était sûr qu'on n'allait pas en refaire, alors. Il n'y a pas d'acier. Alors regardez comme ça bloque, donc je peux largement en mettre plus. Cool, on sait qu'on a de la bonne production de fer en avance. Où est-ce que ça attaque là? Et voilà. Arrive! C'est sûr que quand ça allait reprendre, on l'avait prédit. Hein. Ça allait reprendre, il allait avoir des attaques de buteur. Rocher en cœur. Alors surtout que ici, il n'y a pas de robot port encore. Si, il y a un robot port. Donc ça se répare à chaque fois, parfait. Yes! Ça, c'est cool. Déjà qu'il ne tourne plus là. Hein.
C'est du petit menu crottin tout ça. Voilà. Espace de commentaires. Alors eux, ils sont entourés par les arbres, ils sont bien planqués, salauds. Le premier, ce qu'il faut voir, c'est ce qui fait repeupler. Oh là là, oh là. Yes, ça c'est fait. Ah, c'est du gros village ici. Est-ce que je peux me fabriquer un 4x4? Les petits robots. Plus de robots sur nous, nice. 400 potions pour avoir plus de robots incarnés. Arsenal de missiles, effet, ah ouais, bazooka. Plus inflammable. Augmente la vitesse de la plupart des armes projectiles, 300 potions. Ah, des modules de vitesse, efficacité 2. 75 potions, on va faire ça, tiens. Productivité, efficacité, productivité. Pas très très mal mes tourelles. Enfin, j'ai perdu des balles, non? 110 balles, ouais, j'ai perdu toutes mes balles. Ça a pas trop bien marché, je crois. Et bleu. C'est de la merde, les tourelles Lazal, ça pue. C'est de la merde.
putain, j'ai explosé la caisse. Non. Nul. C'est nul ce qui s'est passé. Allez, allez réparer ça. Bah, j'y autrement, j'ai plus que... Ah, j'ai plus de balles, j'ai tout bousillé, mais j'ai tout utilisé mes balles à me faire démonter les tourelles. Je vais pouvoir les avoir... Là non mais j'ai plus de balles là, faut que j'arrête. Ça va rien continuer. Oh là 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 là, c'est chaud. J'ai plus de poissons ici. Rien faire là. Grenade, munitions. J'ai que les robots, mais les robots. Faut que là, je pourrais utiliser mes robots pour vraiment niquer ça en masse. Les bras qui sont là, non mais ils sont trop là. Ouais, faudrait que j'arrive à avoir les nids. Oh. Le gourde bouton, on va pas le faire. Oh non. Un au moins. La paix. Je répare mon véhicule. Il n'y a plus qu'un nid à éclater.
il n'y a plus de nid, il y a que des... Ah, au secours! C'est fait, c'est bon, on y arrive. C'est petit, il manque plus que gros. La lutte finale. Quel baston! Quel baston! Et là on est tranquille avec le fer maintenant, cool. Et ben là on est tranquille partout de nouveau, ça fait plaisir. Ah oui 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 oui, et ben on aura bien joué, c'est cool. Faire un petit bras ici. J'ai posé malencontreusement. Le champ de guerre les gars, ce qu'on a ruiné quoi. Yes, bon j'ai fait pire tout à l'heure hors caméra mais... ça m'a pris plus de temps, je fais que perdre. Mais là, on s'en sort pas trop mal. Home sweet home, go to home, we go to home. Alors voyons s'il va y avoir des trucs dans les coffres de notre dernière usine. Petit de robot, si. Voyons si on va se faire fournir par nos petits robots. Là les feux, ça, là il y a tout qui tourne en tout cas là. Presque tout. Maintenant c'est le cuivre qui manque pour faire les circuits verts. Ah c'est bon, il y a tout qui tourne. D'ailleurs ça je pourrais le doubler. Il y a tout qui fonctionne, je vais pouvoir doubler. En tout cas là l'acier ça revient. Ouais c'est clair, il m'en faut plus d'acier. Je vais en faire tout de suite. Ah mais attendez parce que l'acier ressort en haut. Il est doublé et il est checké pour redescendre par ici. Et là ça y est, c'est bien rempli. On va laisser comme ça pour le moment. Qu'est-ce que j'allais voir. J'ai oublié. Ah oui, notre usine a nous refilé des trucs. Alors il y a un peu de circuit rouge. Par contre, il reste bloqué là.
faudrait qu'il soit sur l'autre côté du tapis pour que ça fonctionne. On va faire comme ça, attends. Ah mais non, c'est pas bon. Oula, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que ça soit sur le haut du tapis. Donc là, ils arrivent certainement sur le bas. Maintenant, les circuits devraient arriver jusque là. Donc les robots porcs, ça marche. Et ça revient tout doucement. Un petit peu d'acier qui passe de temps en temps. On a tourné ça, mais c'était cassé. Là, ça remarche. Et une fois que le copper sera fait, je vais pouvoir m'arrêter. La prochaine fois, je ferai les prochaines potions, c'est-à-dire des potions jaunes. Avec cette fameuse structure de merde. Structure à faible densité. Alors est-ce que le coffre s'est coupé? Ça fait un bon moment que c'est 16. Il n'y avait plus de production. Ok. On va voir ce copper rapidement. T'as rien à faire là. Voyons ça. Alors oui, l'acier, on peut largement faire quelque chose. Et je vais rajouter un peu d'acier dessus. Non, je vais les mettre à la fin, tiens. Alors je laisse les bras jaunes exprès de l'autre côté. Ça convient normalement, ça devrait convenir. Ah mais merde, un souci. Oh non, j'ai pas assez de place pour les mettre là. Obligé de les mettre là. Bon, tant que là ça passe. Pas un problème. Parfait. Donc l'acier part là et se divise là. Faire avancer ça comme ça. Ah non, ouais, c'est bon. Et ça. 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 Ça.
Et dans ces fours, on peut mettre des modules. Donc, ce serait bien de pouvoir fabriquer des modules automatiquement. Surtout qu'on a amélioré nos modules, non ? On a amélioré certains modules. Là, on va faire des modules niveau 2. Alors ça, normalement, j'en ai déjà qui sont fabriqués. Donc on va se faire quelques modules sympas pour plus produire d'acier parce que l'acier, il nous en faut tellement. J'ai sous-estimé l'acier. Ils doivent être ici. Forcément là ça se remplit plus jusqu'au bout. Que cela tourne. Ah. Voilà, donc là déjà on a plus d'acier, c'est mieux. Suite. Ah oui, c'est un peu long à faire en fait. On va voir notre copper. Un peu le bordel. Un peu le bordel dans tout ça, mais en fait, pas grand chose à changer encore une fois. La place dans l'inventaire en plus. Oula, oula, il y a de la pierre qui passe. Où il y a de la pierre qui passe. Ça alimente les fours ici. Allez, c'est parti, je fais ça. Bon, 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 c'est un peu mieux. Ici. Passe. Là, on a notre départ. Et on a arrivé pour du charbon.
on a le fer. Le... Super. Ok. On va déjà le mettre pile au bout. Au cas où il faut qu'on en feste, on va laisser un peu de place. What? Let's go baby. Donc là c'est bon, là c'est bon. Là, il nous faut juste l'arriver ici. Quand on finit ces machines là, il n'y en a plus que deux. Et ensuite on peut brancher définitivement notre arrivée de copper. Ok, là on voit bien que c'était la merde ici. 809, mais sérieux, il se fout de ma gueule. Alors, on va tout bousiller là, tant qu'on peut. Voilà. Activez-vous. Donc là on prend ça, celui-là il prend ça, mais là on prend pas de bois. Il n'y a que du cuivre, il n'y a que du cuivre. Parfait. Tiche. Comme ça. Et celui-là, on peut pas le prendre pour le moment. On va prendre ça. Voilà, donc là on optimise pour prendre toute la pierre. Non, la pierre on s'en sert pas beaucoup là, c'est que pour les pour ça. Ça, ça part sur la chaîne principale, ça, ça va que ici, et là, ça va sur la chaîne principale, donc on va le réunir là. Voilà, ça se termine gentiment. Ici, on n'a plus qu'à relancer notre copper. Alors, il arrive en petite quantité, certes, mais on va terminer et ça va repartir de plus belle. Caillot, ça va très bien. On arrive à la fin du live, c'est dommage, mais de toute façon ce soir je suis là de nouveau. On a fait pas mal de modifs. Et là j'ai commencé à changer tous les fours. Quelque chose de plus et de mieux fait. Alors je suis encore au. Je suis pas passé à l'électrique encore. Et déjà voilà, il y a tout qui s'allume. Mieux que ce que c'était avant. Alors voyons ces potions violettes, ça continue de taquer. 136, parfait. On verra si ça s'éteint à 500. Nos automatisations, toutes nos automatisations fonctionnent.
Voyons cette usine, alors est-ce qu'elle décide à se réveiller un peu maintenant qu'on renvoie de la ressource? Alors, est-ce que j'ai des coffres et tout sur moi? Même pas. Donc il n'y a toujours pas de circuit rouge. Non, il n'y a pas de circuit rouge. Clair et net, ils sont tous volés avant qu'ils arrivent. Il n'y avait plus de copper, hein, donc faut attendre que ça revienne. Enfin, il n'y a toujours pas de copper d'air. Ouh là 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 là. Ouais, si je mets des circuits rouges un peu, ça va lancer les robots. Ok, et est-ce qu'on me redonne des drones de combat? Bah. J'en ai 100. 100 drones de combat. Ah, ça y est, on me redonne des drones. Oui, oui, oui! Ça fonctionne parfaitement! Yes! Bah, hier soir j'ai galéré. Hein. Ça a pas mal stagné. Pour avancer en petits accélérés pour plus te focus sur celui-là, parce que sinon on a fait pas mal de petites choses aussi. Bon, quoique, on a fait dans l'autre aussi, hein. On a fait partout. C'est vrai qu'on avance doucement, mais sûrement. Maintenant que je suis dans l'inconnu, que je connais plus du jeu, jamais été aussi loin dans une game. D'ailleurs, j'ai fait 2-3 parties, hein, sur le temps, énormément de jeux, j'ai fait une vingtaine d'heures. Voyons s'il n'y a pas de défaut dans le cuivre. Alors là, il n'y a pas de cuivre. L'acier, ça revient un peu, hein. Là, c'est quoi déjà? Ah. Four. Il manque des fours parce que il manque des circuits rouges. Il manque des circuits rouges à bloc de circuits rouges. Et là, pourquoi il manque de l'acier? Là, il y a du fer. Voilà. Et l'acier revient tout doucement. Là, c'est le bordel des circuits rouges qui n'existent pas, qui sont inexistants. Ah, ouais, ça fait des petits robots de temps en temps. Alors, voyons ce qui lui arrive à cette usine de circuits rouges. Il lui faut des circuits verts. Alors, voyons ce qui lui arrive à cette usine de circuits verts. Non, voilà, c'est le copper. Le copper qui manque en masse. Ah. Et s'il y a toute la pierre qu'on s'est trompé tout à l'heure qui s'est stockée parce que le copper arrive tout doucement et que ça a été récupéré par toutes les machines, du coup il n'y a plus que la pierre, ça me l'a auto-filtré. Les câbles, ça m'a filtré ma connerie. Parfait. Alors, quand est-ce qu'on relance la bête là? Ah, il y en a en moins. Alors, combien il reste ici? Il reste 618, 620, 2000, 703. Mais celui-là, il prenait ça aussi. Il prend ça. On va refaire comme c'était, en fait. On va laisser comme ça. Attendez, mais là, je peux peut-être le choper. Ouais, non. On va essayer de encore accélérer la cadence.
Oh ouais, voilà, faut juste attendre que ça, ça se termine gentiment. Je veux dire qu'on n'est pas si pire. Quatre robots de combat, je les garde. Ça, je peux le virer. Oh, ça tourne plus là. Ah, c'est cool. Ah ouais. Oh, 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 tout le fer. Incroyable. Franchement, ça a l'air de bien marcher ces petits fours. Ces petits fours. Canapé. Je vais re-remplir les fours, vite fait. Voilà, c'est parfait tout ça. En avant, Gagan. Et encore, on a des boosters là qu'on a crafté, c'est vrai. Utile. Ok, par niveau 2, c'est bon. On va se calmer. On va patienter. Oh, salut, Magic. Ça va, oui, ce jeu me fait penser à Satisfactory à la troisième personne, ouais. C'est Satisfactory qui fait penser à ce jeu plutôt. Et une vraie fin, oui, c'est de faire décoller la fusée. Non, non, faut faire décoller une fusée, faut produire de l'énergie nucléaire et lancer une fusée pour t'échapper de cette planète. Ça, la vraie fin du jeu. Un petit problème, je vais régler ça le temps que le cure se termine. On finit le nettoyage. Alors régler nos problèmes qui on a là-bas. Sans potion, let's go, boum.
Parce qu'ils ont. Aïe, dans nos. Un petit peu ça. Yes. On se barre. Là. 76, ça va vite dégager. Ah, combien on a? 1,3 cap. On est prêt de l'enlever celui-là. On va remettre différemment là pour finir les minerais qu'on a ici. Une fois qu'on aura plus de minerais ici, ça sera nickel. Est-ce qu'on fait plus d'acier? Bon, on reprend tout le fer qui arrive là. Pourtant là, on envoie un paquet du fer. On pourrait pas en envoyer encore plus. Voilà, on est bien là. Alors, qu'est-ce qui nous manque maintenant là-haut pour fabriquer les potions? Cercle rouge. Rouge, il manque le cuivre. Toujours pareil, il manque le cuivre. Il n'y a plus d'erreur dans le copper, il faudrait vérifier un peu partout parce qu'il y a de la pierre qui est passée tout à l'heure. On va aller voir vite fait de ce côté. Là, il n'y a pas beaucoup de copper, il me semble. Voilà, il y a de la pierre. Et... circulaire, circuit rouge. Voilà ce qu'on veut voir. Voilà ce qu'il nous faut pour l'acier. Pas le temps de déconner.
peut-être pas besoin de ça. Et plus de ça. On va revenir quasi au même. Là, je peux plus en mettre, sinon j'en aurais mis tout le long. Alors, ça en est où ce cuivre? Est-ce que ça se vide? C'est 27 là, hein, c'est quasi fini. Allez, une croix. Petit à petit, c'est de moins en moins le bordel. On est à 3 heures de live. Ouais, je devais m'arrêter à 2 heures de live, ça fait 1 heure de plus. Oh là là, il est 16h39. Ah ouais, non mais là, faut que j'arrête, sinon je vais pas avoir le temps de manger, de ranger, faire quoi que ce soit. En plus, j'aurais pas fait de vidéo aujourd'hui, j'ai bloqué Factorio. Mais ça fait du bien de temps en temps. Peut-être le temps de sortir une petite vidéo sur Vrai, ça prend pas trop de temps. Franchement, elle est vraiment... Je rien. Factorio. Pensez à Factorio, pardon. Ah, mais ce soir, je suis en live pendant 4 heures à partir de 20h. Ça fait 7 heures de live. Je vais faire des étirements parce que je vais avoir mal au bide. Au bide. Au dos. Au bide. On mélange tout bien. J'attends que ça. Je voudrais arrêter le live, mais j'aimerais bien finir le copper pour être tranquille. Comme ça, prochain live direct, j'attaque les potions. Live, j'attaque direct ça. La structure à faible densité. Il y a des buteurs qui attaquent de ce côté-là. Ah! 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 Ah d'accord! Ah oui, la pollution là. Ah, moi qui croyais que j'étais tranquille pendant un bon moment. Non, sort, je suis sur 7 Days to Die. Bon.
Ah, ça part directement pour la fabrique. De quoi on a besoin déjà de premier robot. Bon, on va se calmer. Hein. Du coup, j'ai des robots, mais j'ai plus de munitions. Mais c'est vrai que j'ai plein de robots par contre. Donc, des robots, je vais en prendre moins. Parce que ça me coûte beaucoup trop cher. Bien qu'on commence à stack de la munition un jour. Là, tant que le tapis n'est pas rempli, on va pas refaire de munitions. Il n'y a pas assez de machines qui nous font de la munition. On va mettre un coffre normal. Par contre, ici, on va fabriquer de la munition. Ok, et cette munition, on va la donner à papa. Hop. D'ailleurs, je vais mettre un bleu. Un coffre rouge ici. Bam. Et là, les munitions, c'est pour moi. Voilà. Et comme ça, ça va directement là-bas. Et là, on fait de la munition de nouveau pour moi. Moi. C'est le bordel ici. Ok, mais on s'y retrouve, hein. On s'y retrouve quand même. Alors, c'est fini ou c'est pas fini? Ah oui, en plus, il y a les beaters à les tuer là. J'ai pris du munitions du coup. Non, il faut que je prenne des munitions jaunes. 37, il reste ici. Voisins qui klaxonnent parce qu'ils peuvent pas sortir tous les jours, ils klaxonnent, mais faites une demande à la mairie pour mettre un plot, que les gens ils arrêtent de se garer devant chez vous, de casser les couilles aux voisins. Ah, vous entendez? En plus ça peut sortir, qu'est-ce qu'elle nous casse les couilles là? Franchement les gens ils sont débiles, quelle bande de soumis quoi. Pas foutu de faire une demande quoi que ce soit et tous les jours ils sont en train de klaxonner devant une voiture vide alors qu'ils peuvent très bien sortir de leur voiture. Ok, revenons à notre jeu. On va voir, allez. Salut Magic, à plus. À prochaine. On en était où? Qu'est-ce que je faisais? Voilà, j'ai encore oublié. Et je fais tellement de trucs là que forcément, c'est sûr que déjà qu'avec ma mémoire en carton, j'oublie tout. Alors là, ça va être pire. Bon, je vais aller faire ça. Yes, ça y est. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Et donc ça, ça sert plus à rien. C'est fini. Ça suit.
Ah, pour... Maintenant, j'ai plus de pierre. Hein. C'est fini, la pierre. Il faut que je ramène ça avant même de m'occuper du cuivre. Là, il reste combien, du coup? 900. Allez, allons s'occuper de ces buteurs. Il est 17h déjà. On va y rester jusqu'à toute la nuit, quoi. Ah, mais j'ai pas pris de munitions. Ah, si, j'ai pris ça un peu, mais je vais pas avoir assez. Je vais peut-être avoir assez avec les robots. Ah, j'ai 90 munitions. La fight. Ça fight bien les robots. Les gars, le temps que vous me courez après, tous vos potes ils sont morts. Et ouais. C'est fait. Allez, robot, c'est cool. La vie, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils me disent qu'il y a un souci là? Pas de souci. Ah, ils avaient pas de mur. Ok, c'est parce que les murs étaient cassés, ça marche. Alors, les robots, allons-y. Ancien robot. Une munition, 3 munitions. Alors là, ça va pas être la même par contre. Ça va, c'est une toute petite base. Ça a à peine repoussé. Par contre, mes robots, ils attaquent, ouais. On peut choper de l'uranium maintenant, c'est cool, on a l'uranium qui est à portée et qui est plus dangereux au niveau des beaters.
les rétames avec les robots. Putain, trop bien comment j'avais galéré là sans les avoir. J'ai bien fait de commencer à les crafter en masse là. Cool. Là par contre c'est une grosse colonie, on va peut-être pas les faire les malins trop longtemps. Franchement, on les rétame. On les rétame. J'en profite. Hein. On est bien. C'est bon, ça y est, c'est fait. Allez, on rentre. Parfait. J'ai envie de m'en faire un dernier petit nid tant qu'on a quelques robots en vie là. Voilà, comme ça on a bien fini nos robots, on a bien fini nos balles. On peut rentrer à la maison. Là on a fait le taf. Hein. Ouais, il y a eux qui vont menacer bientôt, mais pour l'instant ça va. Vu la zone qu'on a impactée là. Là on est là. Oh là là. Ce minerai qu'il y a. Allez les amis, on rentre à la maison. Là, il est vraiment temps de s'arrêter. Trop rapide les robots de combat, c'est trop bien. Bon allez, on attend que ça se fasse, on rebranche comme ça. Et prochaine étape, le caillou. Et le caillou, on va aller le chercher ici. Là. Des deux côtés peut-être. Oh non, ici parce qu'il y a déjà les rails. Ah ouais, ouais. Combien de temps là? On suis à 100. Ok, on va aller voir ces cailloux, on va les protéger ça vite fait. Non, ça c'est sûr hein, par rapport à Factorio et le fait que le jeu soit prenant et que tous les jeux on peut pas en dire les mêmes. Moi je joue que à des jeux prenants. Je joue que à des jeux où je passe mes nuits dessus. Pas de grenade. Allô ?
Là, je voulais le faire droit et j'ai loupé. Yes. Alors, comment on peut faire un truc le plus optimisé possible, sachant qu'il faut partir de là. Pardon, comme ça. Là donc ça va pas marcher. Ça va pas marcher, ça va pas marcher. À moins que... Ça passe comme ça. Que là je mette des poteaux. Okay.
Donc là on a de la pierre et c'est bien au petit, c'est bien serré. Ça plus tard quand on aura suffisamment de ressources. Pour l'instant on va juste poser ça. Voilà, c'est prêt pour l'arrivée du train. Ok. Barre. J'ai pas de munitions. J'ai que dalle de munitions malheureusement. À cause de ces robots qui me prennent toutes mes munitions, mais ça va changer. Alors normalement, on va enfin pouvoir lancer le cuivre. On va enfin arrêter notre live. Normalement, on devrait. Yes, ça y est. Et la pierre, on fait ça, attends, parce que ça y est, on a plus de pierre. On a tout vidé, enfin, cool. Super. Enfin les amis, enfin, c'est parti. Yes. Et du coup, on va pouvoir enchaîner sur les potions. Et le prochain truc qu'il va falloir faire, c'est dégager toute cette zone entièrement. Et bien l'optimiser à fond pour mettre le plus possible de trucs comme ça. Et là, on sera vraiment, vraiment bien. Là c'est parti. Et là c'est on est en. Ah mais alors là. Oh là 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 là. C'est pas bon ça. Il me faut plus de cuivre pour les. Il faut plus de cuivre ici. Encore cruellement de cuivre. Il
oh oui, on manque de cuivre, ça c'est sûr encore, hein. Faut là. Mais bon, c'est déjà mieux. Alors c'est tout ce qu'on peut produire là, il nous faut un deuxième, il nous faut une deuxième entrée absolument. Je vais pas faire ça maintenant. Bon, faudra faire le cuivre. Faudra refaire tous les fours encore. Doubler ça. Mettre deux de cuivre. Et 4 de fer, 2 de cuivre et déjà on sera bien. Si on arrive à faire entrer 4 de fer et 2 de cuivre là-dedans, tant pis. Surtout que là, on a l'arrivée donc de la pierre. Qu'il va falloir faire arriver en train. Donc ça va être le bordel. Je pense que la pierre, on va la faire arriver par là. Ça y est, en tout cas, ça rebalance du circuit vert et ça, c'est cool. Ça rebalance du circuit vert. Donc ça devrait rebalancer du circuit rouge. Ah là ça monte ici. Là circuit rouge, ça rebalance du circuit rouge, nickel. Ah là ça se remplit gentiment pour balancer du circuit bleu. Circuit bleu qui va bientôt être rempli. Là, on est toujours en manque cruel de circuit rouge. Et là, ça arrive au compte-gouttes. Enfin, la circuit vert, circuit rouge, là, ça arrive au compte-gouttes. Ouais, et ben, il va falloir vraiment augmenter le cuivre et le cuivre. Pour avoir plus de circuit vert et plus de circuit rouge. Et les potions bleues, voyons, ça monte. Potion violette, plutôt, il me semble. Bah c'est nickel les gars, c'est parfait. S'arrêter là. Voilà. À ce soir. Je reviens dans 2 heures. Allez, je quitte tout de suite prématurément. Des bisous YouTube. Je coupe.